Allez. Défi. C'est quoi ça? Bonus débloqué. Mais que fait la police? Concept art, visuel, clé initiale. Ah, ok. Né à Raccoon City, compléter tous les défis. Eh, y retourne. Bon, alors, on sait qu'il y a des liqueurs partout, donc ça c'est un peu, franchement c'est la merde, c'est une catastrophe. Mais on a ces deux trucs là, il faut les utiliser. On a la manivelle et la touche. Je pense qu'on va faire la touche en premier. Salle des casiers, c'est juste là en plus. Oh la vache. C'est pas loin. C'est pas loin, mais c'est très loin en même temps. Surtout quand il y a un liqueur dans le coin. Je sais pas, j'ai juste une grenade. Il est pas là quand même. Il est pas à l'intérieur. Non. Ouais, oui, il est à l'étage peut-être. Ah, je sais pas. Ouais, Anas. Anas. Alors, 1-0-3. Un 0-3, 2-0-3. Chambre de coffre FFBE. Mais non. Ok. Bon, on a tout fait là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Alors, porte-clé ou trèfle? La manivelle, c'est en haut, je crois. Coffre. Trou de manivelle, c'est là. Là, il nous faut un cric. Là, c'est la clé USB, là. Cadenas. Ok, on retourne dans le hall. Ok, on va repasser complètement au-dessus. Ah, ok, alors est-ce qu'on a un changement de plan? Bon, on a un petit problème.
C'est moche, hein? C'est très moche. Bon, on a un petit problème là, par contre. Attends, on jette la grenade et après on tourne à gauche. Et on remonte les escaliers. Ou alors on le défonce au coup de fusil à pompe. Mais bon. Bah les cartouches, j'en ai pas des milliers quoi. Oh la vache! Ah, on est là, merde. Allez, pour une fois, je vais faire un truc. On va charger la partie parce que là, c'était moche. Là, c'était moche, là. Quoi? 1-0-3 et 2-0-3, je crois. Ah, c'est mieux quand même. Ok, on est bon là. Maintenant on remonte. Et on retourne dans le hall. Putain, par où on passe là? Okay. Toi t'arrêtes pas de gueuler, t'inquiète pas que le liqueur il va pas t'entendre. Hein. Oh la vache. Un peu un détour, mais c'est plus safe. Beaucoup plus safe. Par là-bas. Faut que j'arrête d'y aller comme un bois en fait. S'il faut, il y a des liqueurs encore. Okay.
plus besoin de la manivelle. C'est bizarre, c'est rouge, donc il y a un objet que j'ai pas pris. Ou alors c'est parce que on peut ouvrir la porte. Faut peut-être éteindre les flammes. Comme dans l'original. Alors, monte, on descend. On va monter. Super limité en munitions encore. On va sur la terrasse. Allez. Et pour ceux qui sont là ce week-end, on fera sûrement du Anthem. Il y en a déjà 2-3 sur le Discord qui veulent en faire. Donc je pense qu'on aura un petit groupe pour Anthem, ce sera cool. Sur la démo. C'est bleu ça? Bon, descend. Là, tu déconnes. Honnêtement, ah la vache, s'il faut Resident Evil 3, alors que, parce que Resident Evil 3 se passe beaucoup en fait à l'extérieur, se passe quasiment, la totalité du jeu c'est quasiment à l'extérieur de Raccoon City en fait tout le temps, ça va être super classe, ça va être super bien. Il y a des balles. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Un tuyau? C'est quoi cette merde? Comment tu veux que je répare ça? Bon, on va voir. On va se balader. On appelle Mario. Oh putain! Elle était pas mal ça, elle était pas mal, j'avoue. Il y a écrit quoi? Levier d'arrivée donc. Chaufferie. Oh, oh merde. On peut les gruger sur... Enfin, je sais pas comment, mais...
S'il y en a que deux, ça me ferait un peu chier d'utiliser mes cartouches. Je pense qu'on va les tuer, ce sera plus safe. Au moins un. Merde! Merde, t'as deux couteaux quoi. Comment jeter ces couteaux? Bordel. Bon, y a plus qu'un. Allez viens, connasse. Putain de merde. Oh putain, t'as raison. Oh la vache. Je fais exprès. J'ai l'impression qu'elle me perd de vue quand je passe le côté gauche là. Oh putain de merde. Ah putain. Waouh. Ils sont tellement détruits les couteaux. Qu'est-ce qu'il y a, Idris? Someone lose a key. Honnêtement, celui-là en hardcore, je le trouve beaucoup plus dur que Resident Evil 7 en hardcore. Il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient comme quoi Resident Evil 7 était difficile. Honnêtement, j'ai fait la première fois en hardcore, je sais plus comment ça s'appelait en le mode, mais ça n'a rien à voir quoi. Je me demande pourquoi ils nous donnent un truc de sauvegarde. J'ai l'impression qu'on va se taper un boss. Si on se tape un boss, je vais pas rire parce que j'ai rien. Je pourrais faire quelques balles de pistolet, mais bon, c'est pas vraiment utile. Bon, on a la clé, c'est parti. Ah, le tuyau. Ah oui, il y en avait deux. Droite et gauche. Oh, ça m'a fait peur, cette conne. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh. J'ai cru qu'il faisait ça, Léon. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, non, il était en train de s'enlever la pluie. Bon, encore trois emplacements, ça va. Oh la vache! Plus tard!
Oh la vache. Oh la putain sprint. Mon dieu, il est descend 3 par 3. Il peut pas rentrer là. Il peut pas rentrer là. C'est une salle de sauvegarde. Tu vas pas me dire qu'il va rentrer là. Putain, mais c'est quoi ce truc? C'est un cauchemar. Je l'entends toujours marcher. C'est énorme. Bonne nuit, Ellie. Bonne nuit. Gros bisous. Me disent bien que l'hélico en feu me rappelait un truc. Ouais, Mister X. Pas Mister X, si. C'est pas... Il vient pas de cet hélico, mais ouais, c'est à ce moment-là, en gros. Sa seule faiblesse, les salles de sauvegarde. Je crois qu'il est juste là, juste à droite. Cœur, nous on a quoi? On a trèfle. On a trèfle, mais faut aller là, faut revenir aussi sur le toit. Donc faudrait revenir à... Bon, il y a deux solutions. Il y a Mister X sur le chemin et on va à la salle d'attente. Il est pas là et on va à l'escalier. On va voir. Mais c'est super flippant, tu sais pas où il est en fait. Tu l'entends, mais il est peut-être au-dessus. Il est vraiment en train de te chercher, mais ça c'est énorme. C'est super bien fait. Je crois qu'il est au-dessus de moi. Attends, on avait dit qu'on allait où, nous? On allait en bas. Bon, s'il est au-dessus, on descend. S'il est en bas, on monte. Il est pas là, quand même. Ouais, c'est parce que c'est vrai que... T'avais la peur en fait dans l'original parce qu'il te poursuivait. Mais vu qu'il te poursuivait de salle en salle et qu'il y avait, le temps de chargement entre les salles, c'était différent. Mais là t'as vraiment l'impression qu'il te cherche dans le bâtiment en fait. C'est super bien fait. Putain, je crois qu'il y a un liqueur. Oh, vache. Salle de stockage est.
merde, c'est fermé, putain. Ok, zombie, ça va. Oh, je crois qu'il nous faut ça. On a de la place. Oh! Ça prend deux places. On peut passer par là? Ah, des cartouches de fusil à pompe. Ça, c'est une porte cœur. Non, on n'a pas. On va aller toucher la porte, comme ça elle sera sur la map. Non, je me suis bloqué. Oh le con. Ah, fait chier. On a gaspillé une cartouche pour rien. Je les compte, les cartouches, maintenant. Putain. Chier. Et je me suis bloqué, en fait, pour remonter. Bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, on descend. Non, c'est le zombie, ça, c'est pas grave. Oh putain de merde, il est dans l'escalier! On n'a pas de place, on peut rien prendre, on peut rien prendre du tout, c'est abusé. Je peux passer par là par contre. Je peux rien prendre aussi, c'est cool. Ah j'adore le jeu. On peut pas. Ok. Attends, par contre la salle elle est verrouillée là. Thème devrait mieux tourner que code. Ouais. Grave. On peut rien prendre en fait. On a quoi là exactement? Non. Je pourrais utiliser la plante. Oh, mais si jamais il me tape... Si jamais il me tape et que je me soigne avec les trois mélangés, on perdra le bonus. En fait, ça servira à rien. Il faudra le garder contre les boss. Non, on va revenir en arrière. On va partir et revenir en arrière. Je crois qu'il faut le rubis, là. Il faut mettre le rubis dans la boîte. Rapport de confiscation. Salle d'attente de FRPD. Cause de la confiscation, individu surpris dans la pièce mentionnée. Lorsqu'il a été interpellé, il a tenté de fuir en simulant la confusion. Mais a été arrêté. Une note en sa possession a été confisquée. Tout le monde sait déjà qu'ils en parlent, mais en cas où il s'agit de Justin Hanson. Ah, on en a parlé de lui.
39 ans, habitant à vie et célibataire, habitué à nos cellules, c'est pas vraiment un truand, plutôt un kleptomane. Ouais, c'est le kleptomane. J'arrive pas à voir, il est tenté de faire ça dans un commissariat. Il a un morceau de papier dans le sac plastique. Ah, combinaison de coffres. Gauche, droite, gauche. Mais j'en ai d'autres, des trucs comme ça, je crois. Attends, là, non. Là, c'est un papier du RPD, mais il n'y a pas... Non, j'ai cru que j'en avais d'autres. 9, 15, 7... Ah oui, voilà, il y a la combinaison là qui est en fait qui est écrite, ça c'était pour le premier coffre. Et là c'est un papier du mec en fait, du voleur. D'accord. Ah, il faut 64 giga de RAM, hein. Minimum, minimum. On va faire... on va partir. Et on va revenir. À moins qu'on puisse bloquer une fenêtre, mais il n'y en a pas là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Sérieux? Bon, maintenant on a une place. On a combien dans le flingue? Merde, il est en train de descendre, je crois. Oh la vache, c'est super stressant. Putain, je sais pas où il est. Alors, je sais qu'il y a un coffre là, c'est peut-être celui-là. On va voir. C'était quoi? 6, 2, 11. Ah, c'est cool, c'est vraiment sympa ce système. Supprime le relèvement du canon et augmente la précision. Yeah, cool. Il est stylé. Alors, on n'est pas à l'abri encore, on va se casser. Non mais Choco, ça va pas la tête, t'as toujours pas 64 gigas de RAM. Tu fais quoi? Faut arrêter de jouer à Miko, hein. Ou Miku, je sais plus quoi. Oh la vache. On a plein d'herbes bleues, c'est bien ça. Allez, cool. On va pas les combiner maintenant. On a le joyau, on pourrait le prendre le joyau, on retourne là-bas. On récupère les poudres, il y a une poudre bleue, une poudre jaune. On pourrait faire des cartouches de fusil en fait directement.
Non, je vois pas pourquoi on prendrait tout ça en fait. Non, on va faire ça. Voilà. 3, on a pas assez, on a assez d'emplacement. Let's go. On y retourne. Quoique nous on va garder la grenade. Je suis assez content des améliorations de l'arme, c'est pas mal. De quoi ? Mais de... Mais t'es dans une salle de sauvegarde ? T'es dans le grand hall, tu peux pas ? T'as pas le droit ? Mais c'est quoi ce truc ? T'es en train de briser les règles de Resident Evil, mec. C'est pas normal. Arrête, tu me fais peur. Ouais, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oh la vache. Ça promet pour Nemesis, mais ça va être une horreur. Mais le mec, il est dans le grand hall, y a pas de zombies. Les zombies, c'est interdit dans le grand hall, en théorie. Oh, fais chier. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Ah oui, là. Il y avait que Marvin qui était une exception à la règle, je pense. Bah, apparemment, l'autre, il s'en fout. L'autre, il s'en bat les noix. Putain de merde! Oh putain, chier. Énorme. Il est où? Il a ouvert quelle porte? Il a défoncé la salle de conférence, du coup je peux passer. Je crois qu'il est au-dessus. Ouais, il est au-dessus. Bordel. Tout droit, puis à droite. Je suis en train de me demander si ça vaut le coup en fait de faire des munitions de fusil à pompe. Parce qu'on a le magnum aussi, c'est vrai que le magnum ça sera vraiment contre les boss. Donc je suis en train de me demander si on devrait pas les garder de côté pour le moment. Alors, pour l'instant on se débrouille avec ce qu'on a donc on va les garder de côté. Badge du Stars. Special Tactics and Rescue Service. Oh. Clé USB. Oh.
ça tue. Ça, c'est deux clés, ça, en fait. T'as la clé USB qu'on va pouvoir utiliser dans le dans l'armurerie. Et après, il y avait un emplacement, le badge, et je me souviens plus du tout où c'était. Merde. Je crois que c'est quand on avait rencontré Aïda, je me rappelle plus. Merde. Pourquoi j'ai une mémoire de merde comme ça? On va faire ça. On va sauvegarder. Vous ne pouvez pas sauvegarder. Ennemi à portée. Ok, on a la trèfle. On va aller à gauche. Non. Allez. Putain. Chier. Faudra aller au bureau des stars. On va aller au bureau des stars. Ah mais entre les zombies, les liqueurs et Mister X, mais c'est bon quoi. C'est super. Le mec en plus il se balade partout. Même dans les salles de sauvegarde, mais laisse tomber quoi. Ok. Oh, plus fort encore le bruit. Mais on a récupéré la truc. J'avais peur qu'on puisse pas la récupérer. Mais ça, il faudra l'utiliser encore. Faut pas que j'oublie. Lightning Hawk.